En quoi tu Merci, Monsieur le Président. Bonjour, je voudrais faire un petit... François, bonjour. Vous m'entendez? Aurait souhaité venir saluer les personnes réfugiées dans cette ambassade, mais qui était occupée ailleurs. Ma question est la suivante, est-ce qu'à ce moment-là, c'est rassurant pour vous, et peut-être pour les autres, si vous vous entendez d'entendre citer le nom de Kyo Sampong? Kyo Sampong, qui est un homme, trois madames, qui est un homme, qui est un homme, qui est Kyo Sampong, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme. C'est vrai, toutefois, vous avez parlé de la bonne réputation, vous tranquilliser, cette référence qui était faite à Kyo Sampong et à son éventuelle présence, peut-être pas eu un effet un peu calmant sur une personne qui était là, qui entendait cette présence. Mon champion, Alors justement, je vais encore un petit peu plus loin dans le temps. Je vais me référer à deux documents que nous avons au dossier. Je vais me référer précisément. Je vais dire de quoi il s'agit. Donc il s'agit du détachement des témoignages de réfugiés que vous avez probablement tapé vous-même à la machine, j'imagine, et que vous avez transmis au juge d'instruction après votre audition. Vous avez envoyé au juge d'instruction, celle dont je vais parler, porte la cote 233.1.4, ERN français 00 41 01 03 79, ERN anglais 00 82
03-77-78 et Khmer 00-83-61-28-29 ce qui concerne l'article cambodgien libéré, il s'agit du document ERN français 00-83-60 Khmer 00-3-23-78-89 Dans les témoignages de réfugiés, dans c'est parfois un peu cru parce que vous l'avez d'ailleurs vous-même indiqué au juge d'instruction dans votre lettre d'envoi, vous avez dit j'ai fait un travail sérieux mais pas scientifique. Bon. Là, vous dites On parle beaucoup de Yang Sari et on en ça c'est le premier extrait que je voulais vous soumettre. Dans l'article daté de janvier 1976, vous écrivez: on parle peu. Est-ce que vous pouvez, on voit donc là qu'il y a à la fois, dans cet article, je précise que vous parlez de ce que vous entendez à la radio. Donc on voit ici que novembre 75 pour la lettre d'un réfugié, janvier 76 pour votre article relatant votre écoute à la radio, fait état d'un certain silence sur la personne de M. Chesampan. Est-ce que vous confirmez ce point? 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 Et srap tam omnait en knon ptei anka.
toujours sur le même thème. Qui est un militaire qui avait fui K-U-O-N. Kuon. Qui est un militaire qui avait fui le Cambodge démocratique pour la Thaïlande, et qui avait été interviewé par des journalistes. Étranger. Est-ce que vous avez cité le nom de cette personne ou c'est une... D'accord, ma question consiste à vous demander si ce matin, c'est important pour notre équipe de défense, car nous avons sollicité le dépôt d'un dossier d'interview que ce monsieur a donné. Il expliquait déjà en 1967 dans laquelle il expliquait déjà Rahel ne kai kakadach nam mapuan pambunoi chetse pamui. Quatia net bag otom pekacha kantum roi. Hélicoptère. Quatia net bag ba hélicoptère. Aequat mien mouknir nainoam anka. C'était lui le responsable des déplacements de l'Anka. De chine, comme sur quoi Anka tienena, quoi mien ça m'a met pot, ça m'a met hem, ça m'a met van, ça m'a met ven. Aïe, comme sur ta
Samamet Pot Tienuna Kyomendan. Non, si pas unique, comme ça, ça m'a mis pot, par elle, nous en souons, par elle. Par elle, tu es salut ça, camarade Hem, que me donne. Camarade Hem, ne, calaino, l'eau qui vous en prend. Camarade, ça m'a mis van, que y en sari. Jung dang ne pil kroy, ne pil kroy, jung dang ta nena anka. Et quat rot, quat rot pi schokmai, men men mo pi quat sa op anka, ou sa op ou pa pa tchirti patay, ponte. Quat mencheng pis rokmae dai quat sa opa kapuchia pati di patai, quat pia kluan mo pi anka ai quat banhat banrien yuvatun tiene asrae. Père Poncho. Mais. Là, je vous arrête. Non, là, il faut arrêter. Ah, je vous arrête. Que se passe-t-il? Bah, il y a une chose qui est là, qui est là, pour. Je parle de quelqu'un au singulier, M. Peng Lim Kuan, qui est parti, non pas parce qu'il détestait l'Anka, mais parce que l'Anka lui avait demandé de former des jeunes paysans de la commune des hélicoptères. Et puis lui a pris un truc de l'Anka, et puis lui a pris un truc de l'Anka, et puis lui a pris un truc de l'Anka. Oui, c'est très difficile, comme je vous l'expliquais. Il y a un relais par l'anglais, il y a de là, il y a de la question. Il y a de la question. C'est malheureusement. Mà chỉ ăn sót người ta trên chân hơi và sân chia lục cục trang nước sông bình to gì phía sau bà đang tiền nơi pê đài lục của thiên ban trao sủng nuôi lục cục xua lục bồ tát lục lục cục mà vừa vậy là nơi pê đài ngoài hòm chung mà đòi thì cộng đồng pê nhím. Dans les jours qui ont suivi le 17 avril, le 17 avril, vous avez expliqué que vous aviez servi quelque sorte de guide un peu touristique. Vous avez utilisé, vous avez traduit cette expression. Et vous avez raconté que il y avait une résistance de soldats Lonnol, mais que vous avez eu le sentiment que ce n'était pas ça qui était véritablement ces soldats Khmer Rouge que vous aviez... que vous accompagniez, vous avez dit, il voulait savoir où étaient les soldats américains. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Hay lok puk ne chang ai lok puk bchea kalai ni bantik petmen ki su khnyam ta american noy na kyom prapke at mien ti hien american. Ils ne m'ont pas cru. Qu'est-ce que tu as clienté? Ils s'attendaient véritablement à trouver des soldats américains. Et son bête à tabattre un peu de main, d'ailleurs, que ta américain ne se passait qu'en poutir. Knon pile caut sans crime. Mien ta knon samaille le nol, mien petit prexa américain, ponte knietek. At se mienne, at mien ti hien, ni kem som banquia madame tiet. On te kniatek, chum nuantek.
Alors, ceci m'amène à évoquer un autre point de votre déclaration en réponse à une question de M. le Président, qui concerne le fait que vous avez répété plusieurs fois que il y avait des agents de la CIA ប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថានទូតបារាំងដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្ថានទូតបារាំងជាមួយលោកពុកហើយក៏តាមពិតទៅស្ថានទូតបារាំងបានចិនលៀសពួកគេចាញ់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកពុកដឹងនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតាមរបៀបណាដែរ John Günterdin ចេញ ពី ប្រទេស កម្ពុជា ថ្ងៃ 12 មេសា ឆ្នាំ 1975 Oui, hein, mien pratien CIA. Pratien CIA, ne tu moyen, ne tout barang, yung d'un coup knir, yung squal quat, donc yung squal, mien la cassette américain, mien l'okum d'un chmok, yung plech mohai, tia pratien CIA, ne pratik en poutier. Je vous remercie. Je voudrais poser une question au linguiste. Parce que vous avez fait un travail impressionnant en écoutant ces émissions radio, cherchant à comprendre cette nouvelle langue rouge. Et vous y avez consacré certains passages de votre livre, mais également une partie de cet article dont je vous ai déjà cité les références tout à l'heure, Cambodge libéré, paru en janvier 1976. Et je voudrais que vous parliez à la chambre de cette question sur laquelle vous vous êtes étendu dans cet article de deux, du vocabulaire qui était utilisé à radio dans la propagande pour décrire parfois des activités bien banales. Je cite quelques exemples et je vous laisse en parler. Vous dites, comme exemple dans cet article, lutter, développer des produits avec beaucoup de courage, lutter pour défricher la forêt, lutter pour élever des digues, lutter pour attraper le poisson, travailler activement, combativement, attaquer, l'élevage, attaquer, que pouvez-vous nous dire sur votre compréhension de ce langage étonnant, ce vocabulaire pour écrire des activités parfois sur une forêt, c'est pas banal. Qui ban chechumne d'aïvaï et commence à travailler. Oui, hai, kana ki mien chechumne ki ne ta pra pied d'adèle. Doitie sante pied, doitie sans crime, mouet mei. Sante pied, tie sans crime, tmei. Que te vaille commence à trouver une petite knong, et qui a pissé, vaille trois matières d'un bail
Le front que Samarapumuk que Chipalai le Tumnup. Samarapumuk Chipalai le Tumnup. Samarapum Kraoy, la base arrière, que Tvuka ne Tampum, que Mien Samarapumuk. Ay ovei ovei tem o sotai e pretietun doi kiam ponyol prekmeng ki rieptiam pretietun doi kia kong toap muei samrap vai dambei pal dambei bankad bankad pal. Kansruit, les forces d'élite, Kansruit, rue Kantialat, qui est Yuvatun, et qui est là, le Tumnup. Qui est Kantialat. Kraima, mien Kantipi, kuné mien Krosa, qui est Feuka, Chnaï, Bantay. Je n'ai pas de temps de dire quand tu as mouillé, d'elle va se rock dans le banque de Paul. Production. Vous avez d'ailleurs, je crois, dans votre livre, le vocabulaire, Son bêta sapnai, yon pra, son dai de cho, chun cal, pra, pier, robak, maika ham, chun cal, do tia ploat. Opamata sapnai, kana yon ye ba, yon ta hop, tia pier, maika ham. Mais non, hope, c'est pas espoir, c'est manger. Hope, mais ban manger, tu vois ça. Pour continuer sur les réfugiés. Bah là, ils sont maintenant des pays qui ont pire que l'ONU. La position de la Thaïlande. Les camps de réfugiés qui étaient installés sur son territoire pendant cette période. Ces camps se sont constitués. Quelle était la position de la Thaïlande?
Munabong, Kanakum Chlang Prumden, Nakai Usapir Chetsepram, Thai Keta, Kmien Chun Piakluan, Tolteso. Tampet, Kyum Dunchba, Pu Yung Mien Metsam Line, Daita Ban Chlang Prumden, Mien Roi Poane, Kmai Roi Poane, Daina Tam Prumden. We have a chnam chitsepram, tangpi chitsepram, chitsepamwei, mien chumrum, pahel mopei, tam prumden. Ponte, thai ki cham, ki ta yung te mul, ta kmai kaham, tfun o yubai yang meik, ki moi thai, pasent ba kmai kaham, mntfu bap yung, yung na sniem. We hain in a schokma in a schoktaio pamata kubai aranya patet ne chnam mapuan pambuan roi chetse pamuei ne kai mitona chnam mapuan pambuan roi chetse pamuei kiam chuop kromuei ti sota meti hien ti sapram colonel Yen Yokman Yokman Ketret Yen Buon Pramner de Tirkum Kungmu Bontaikum Plechmo Ke Riepcham Kantoap Dambay Vaik Maikahan. Merci de votre aide, Monsieur le Président. J'ai essayé de vous arrêter. En fait, parce que je voulais que vous disiez de quel pays étaient ces militaires, vous ne l'avez pas dit. Moi, la question que je vous ai posée, c'est de savoir quelle était la position, si vous savez, politique de la Thaïlande vis-à-vis des camps de réfugiés qu'il y avait sur son sol. Est-ce que ça les mettait en difficulté? Est-ce qu'il y a eu des questions de les fermer? Est-ce qu'il y a eu des questions de les cacher? Voilà, c'est le sujet pour rentrer un peu plus dans les détails, pour faire en sorte que ma question soit moins ouverte, puisque apparemment elle était trop. C'était le sens de ma question. C'est le sens de ma question. C'est le sens de ma question. Timway, CM ou Thai, Soktiet, Totuol, Tchun Piekluan, Dai Pachang, non Kmaikahom. Pontai, Thai, Trutra, Tchun Piekluan, Dan beit feu no yobai robatai. We hai tang pichnam ma puan pambuan roi chetse pambuan. Ni chetse pambuan. Mi kal Vietnam chol tagdei Kampuchea. Mien Chun Piekluan roab senne te dal pate thai. Des millions. Et ne pe nou, thai men prom to tuol Chun Piekluan ta te moktiet. We hai da yo Chun Piekluan pa hael bei menne ke tum le ne t'ngai d'apam pel mitona chnam tietse pambuan, ke tum lea
Samsep Beymen Beymen Ketumlea Chunpia Kluent Beymen Ne Previhir Ne Pipnum Previhir Aine Pilnou Nangai Wehai Ne Pilnou En cas Sahapatietiet Bankout Unbro Dan bij twee chun piekloen. Maar non, c'est pas la pronuk. L'UNBRO, United Nations Border Relief Operation. Pour ne pas te campoutier, ne pas te siem, ne pas te ne pas nous, mien chun piekloen, yang te bon senne. Aïe. Pour nous, mien payaut sam rapion, que taille sokt yo knong chom nam chun piakluan, kenti hien d'un bay vai 40 000 RPK. Ponte kmaikoham, menne en night à te moutiet. Vous avez dit qu'il y avait à cette époque-là 40 000 réfugiés. Plus qu'une objection, je voudrais faire une remarque de méthode, parce que nous nageons dans la confusion totale quant aux dates et aux époques. J'entends parler de la chronique, je crois que en ce qui concerne les chiffres aussi, on est en pleine confusion, donc j'aimerais que vous ayez posé peut-être des questions. Ça ne peut venir que de vous, la solution, je dis. J'aimerais que vous posiez que notre confrère soit invité par la Chambre à poser des questions extrêmement précises, avec des dates précises et des références précises qui évitera peut-être que nous soyons dans cette confusion absolue à l'instant présent. Merci. Pour répondre à ma consoeur, j'en serais ravi simplement, comme vous le savez, M. le Président, et comme vous le savez également, cher confrère, le problème avec les questions, quand elles sont trop précises, c'est qu'elles peuvent faire l'objet d'objections, de causes de suggestions qui sont faites de ma part au témoin. Donc, c'est la raison pour laquelle je commence par une question ouverte, effectivement, sur le problème de d'interprétation qui sont forcément aussi précises. Dans ce qui est des personnes qui sont paraissantes et des personnes qui sont à votre connaissance sur les réfugiés en Thaïlande, renvoyés par la Chine. Dal Chitsepam Bay, ne pel Kampuchea, Prachiti Patai, ne pate Kampuchea. Mien Chun Piaklua, ne pate Thai, Pahel Pramene. Thai monsieur Pinchet non chun piakluen pontae ke troam totul. S'il avait d'autres choix,
totul ai tam pel velie chun cal che somlap chun piecluan dal chol ma pate campucia che somlap chun piecluan roa poan ne que chun piecluan dal ma pi campucia tes roctai. Ei ne pilnu, ne chnam tietse pa muei, mien kmae kla, tihien kmae kla, doitiam prap chmo en bagmen, doitie yokman, kangvana, ketret, ban bankat, kangtoab dambei prachang kmae kacham. Pontai thai chun cal anunyat ai ke to vai kmai kham chun cal ki men anunyat oui hai ke somlap per poncho s'il vous plaît oh ke somlap mal pok khnyom som kat lo pok les tailles. On tuait ses commandants? Ce sont les Thaïs qui les ont tués. Quand toi, Thaï, semblab, métihien, khmai, d'ail prachang, non khmai kohom. Est-ce que cette situation que vous venez de décrire, en plus de celle de grande faiblesse dans laquelle sont de facto des réfugiés, est-ce que cette situation politique supplémentaire que vous venez de décrire pouvait, lors de vos entretiens, notamment avec les réfugiés, entrer en ligne de compte dans la description que pouvez-vous faire les réfugiés, de ce qu'ils avaient vécu au Cambodge? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu compte? Comme nous, ta chun piekluan kmae ne srok thai, to tia piba ruanau. Kapontai, sekedei da ke rie proab en pi rubab kmae kaham, tia sekedei pet. Ce n'est pas les Khmer Rouges qui disaient la vérité. Ni, mien panyaha, bapre, pet pakatmen, kyom ni yisak et bapre kmaou. Doi tiak, yung tante mouktied, mon kaout. Sou ma pito, on te, kyom me tchang ni yibaran pour kyom klai ta kan défense, ki ta kyom tchoué, kan procureur. J'ai peur que vous. Vous dites que je préfère la défense si je parle français. Parce que vraiment, il y a un problème de traduction depuis le début. Si la défense, non, si l'accusation ne voit pas d'objection, je parlerai volontiers en français, mais j'ai peur que vous dites que je favorise la défense. C'est pour ça que... Alors, je vais aller à l'aïlouk. Reposez votre question. Bah, là, c'est un peu comme une vie, chat, nous, madame Thier.
Non, je pense que vous y avez répondu malgré tout. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le contexte politique où les réfugiés en Thaïlande étaient oppressés par l'armée thaïlandaise, chose qui est exacte, ils étaient enfermés derrière des barbelés et les soldats thaïlandais n'étaient pas tendres pour les Khmers. Mais en dépit de cette pression thaïlandaise, quand on interrogeait les réfugiés sur ce qu'ils avaient vécu en régime démocratique, on peut moralement avoir la conviction qu'il disait la vérité. Du moins, c'était ma conviction. Parce que quand on interviewe quelqu'un, il y a quand même un feeling entre les deux. On voit si l'homme ment ou pas. Monsieur le Président, je vous remercie. Avant de venir interroger ces gens, certaines personnes les identifiaient pour vous, voire prenaient en note des entretiens avec eux. Est-ce que c'est exact? On a raconté tellement de bêtises sur mon cas en particulier. Vous prenez la libération suite à l'article du Monde sous un titre curé, journaliste, espion, steak, essayant. Tout ça pour moi tout seul. En disant qu'on choisissait les réfugiés qui choisissent par les chefs de camp avant de nous parler à nous. Mais pour qui se prennent ces gens-là? Moi, je n'ai pas besoin qu'on me choisisse les réfugiés. Quand j'allais dans les camps, je m'assoyais par terre et je parlais aux gens. Je leur demandais à toi, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, etc., etc. Ce n'était pas l'administration du camp qui me fichait les réfugiés que je devais interviewer. C'est de la pure imagination et je dirais même de la calomnie, c'est-à-dire du malfort. Je n'ai jamais, on n'a jamais désigné des candidats pour que je les interroge, que cela soit bien net. Je
Je n'entendais absolument pas que ce soit clair entre nous. Tel ou tel journal français. Dans votre livre, vous expliquez que vous parlez des 12 commandements révolutionnaires. Et vous dites aussi que les réfugiés que vous rencontriez connaissaient ces 12 commandements. Vous dites aussi que les soldats qui gardaient l'ambassade de France au lendemain de la libération de Phnom Penh les récitaient chaque matin. Alors, ça laisse quand même supposer qu'il y avait une certaine rigueur morale au sein de la troupe de la propagande qui a été diffusée, qui avait une certaine importance. Je confirme tout à fait que les yotirs, c'est-à-dire les combattants Khmer Rouge, étaient disciplinés. Et qu'à l'ambassade de France, nous avions des petits garçons de 13-14 ans qui nous gardaient et récitaient les 12 commandements Khmer Rouge. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est pénétré chez eux, mais en tout cas, ils les récitaient. Et sur le plan moral, d'une façon générale, on peut dire que l'armée Khmer Rouge se comportait d'une façon très morale. Très morale, en n'hésitant pas à tuer s'il le fallait. Mais sur le plan des mœurs, notamment des mœurs sexuelles, je peux dire qu'en gros, il y a eu des rapages, mais en gros, ils étaient très moraux. Je vous remercie. 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 Bà xôm ọc côn lục xạ xây. Bà ọc côn. Xạ xây ọc côn lục mây tử bí. Bà khách nhầm ra ca, xạm ra ca thằng này đi. Bà đọc bì xâm rạ hơi, ảnh mê phá ca. Bà ạ, khách nhầm ra ca, xạm ra ca thằng đọc thằng này đi thân đâm đi. Xạm ra ca lực tơ bần tò thuê nơi thằng này xây. Ngày bà hoa tì đó mùi khai mê xa chân nằm vì vòn đọc bấy. Chạp đàm vì mong bà môn bực tơ. Hai xạm ra ca nơi thằng này xây đi. องค์จําเรศนึงบันต่อធ្វើสํานักการสดับตะไคกรรมสะสัยพระองค์โซพระองค์โซได้នឹងសួរដេញដោលដោយក្រុមមេធាវីប្រកាសពីក្តីបញ្ចប់ហើយសូមភាគីនឹងសាធារណជនជ្រាបលោកព្រះអង្គសូព្រះអង្គសូការស្ដាប់តែខែកម្មរបស់លោកនៅបន្តចប់នៅឡើយទេអង្គចំរះនឹងធ្វើសํานักការបន្តស្ដាប់តែខែកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះអង្គចំរះសូមកោះអញ្ជើញលោកមកបន្តដល់តែខែកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀត ແລະຈັບດາວປີມອງ9ព្រឹកហើយដំណងជាប្រហែលជាមួយព្រឹកទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកប្រងសូត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានរបស់គាត់វិញហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងប្រតិកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាមគ្គីនេះវិញជាប្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនមកមុនប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុំខាំងនាំខ្លួនជួនចប់ចោត